Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une filière discrète mais ô combien importante, tant du point de vue de l'agriculture que du point de vue de la gastronomie et de l'environnement. Cette filière, c'est celle du riz de Camargue. Alors quelques chiffres pour s'en convaincre. C'est le riz de Camargue, 110 000 tonnes de riz produits par an, 230 riziculteurs dans une région finalement relativement limitée, à mi-chemin entre les Bouches-du-Rhône et le Gard. Et pour en parler, pour parler du riz de Camargue, nous allons retrouver à Arles Arnaud Boinard. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur au Centre français du riz, donc vous êtes un des spécialistes et vous, un de ceux qui connaissent le mieux cette filière. Je disais 110 000 tonnes de riz produites par an. C'est un chiffre qui évolue d'année en année ou on est toujours sur une production relativement stable? Ah, c'est un chiffre qui évolue un petit peu d'année en année, bien sûr, déjà par rapport au point de vue économique. Et ensuite, par rapport à l'année climatique qu'on a eue, par exemple cette année, l'automne a été relativement doux, il y a eu peu de pluie. Donc on sait que en 2021, on aura un peu moins de riz parce que les riziculteurs ont planté du blé sur leurs parcelles et donc vont faire moins de riz. Mais par contre, l'an prochain, on risque d'avoir à nouveau un peu plus de riz. Justement, est-ce que ça, c'est une de vos... Oui, est-ce que c'est une de vos vraies préoccupations en ce moment, ce qu'on appelle les aléas climatiques, le bouleversement climatique, le fait par exemple d'avoir grosso modo autant d'eau, mais pas forcément au bon moment? Alors au niveau du riz, on a la chance d'avoir le Rhône, qui est un fleuve important, qui a beaucoup de son eau qui est apportée par la fonte des neiges dans les Alpes. Effectivement, ça peut avoir un souci pour les périodes de fin d'été, lorsque l'étiage est très sévère, notamment au sud Camargue, car les riziculteurs pompent leur eau dans le Rhône. Et il se peut que si le débit est très faible, le débit du Rhône, en fait, l'eau de la mer va remonter, c'est ce qu'on appelle le coin salé, et les riziculteurs vont être obligés d'arrêter leur pompe pour ne pas pomper du sel et le mettre dans leur parcelle, et attendre que le niveau du Rhône augmente pour avoir une eau à nouveau douce, et éviter de saliniser leur rizière. Alors c'est un vrai travail de petit chimiste, quoi, ça. Il faut pouvoir gérer à la fois la nature et le sel qui arrive de la mer. Alors gérer la nature, non, c'est difficile. Mais par contre, effectivement, particulièrement pour les riziculteurs du sud Camargue, donc depuis des années, ils vont contrôler quand ils savent que le niveau du Rhône est bas. Ils vont contrôler plusieurs fois par jour le niveau de sel au niveau de l'eau qui vont pomper dans le Rhône. Alors, on va justement parler d'un des sujets, puisque quand on parle du Rhône, quand on parle de l'arrivée de l'eau de la Méditerranée, on pense évidemment à l'environnement. C'est une filière qui a un rôle important dans la gestion de l'équilibre environnemental dans cette région de la Camargue. Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la Camargue, on a un parc régional avec de nombreux acteurs, dont l'agriculture, et le riz en particulier dans cette diversité d'activités économiques va avoir un rôle extrêmement important, même essentiel pour la Camargue. Il va permettre, grâce à l'eau en fait qu'on va utiliser pour cultiver le riz, en fait on fait une riziculture par submersion, on va apporter une lame d'eau dans les parcelles de riz. Cette eau douce en fait apportée par le Rhône va permettre au riz de pousser, mais aussi va permettre de repousser la salinité qui est présente dans les sols du delta du Rhône, éviter que cette salinité n'augmente dans les sols et permettre ensuite de faire d'autres cultures telles que le blé dur ou le tournesol. Et enfin, cette eau douce, elle va aussi en partie transiter dans ces parcelles de riz et ensuite retourner dans l'écosystème camarguais, puisque la Camargue, c'est une mosaïque à la fois de champs, de marais, de lagunes, et par exemple, l'étang du Vacarès, qui est le grand étang central de Camargue, va pouvoir bénéficier d'eau douce grâce à la riziculture. Et c'est ce qui explique qu'on retrouve par exemple une faune importante autour des rizières? Alors, une faune importante à la fois dans les rizières et autour des rizières.
notamment les oiseaux, notamment plein d'oiseaux migrateurs, les canards vont pouvoir se nourrir en partie, une partie de l'année dans les rizières. Bien sûr, on a tout un tas d'insectes, des libellules, certaines qui sont assez rares, qui vont pouvoir faire leur cycle dans la rizière et autour de la rizière. Donc il y a toute une vie finalement qui bénéficie de l'eau douce apportée par cette riziculture. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle aussi des signes de qualité, parce que c'est vrai que vous êtes en IGP. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est l'IGP Riz de Camargue. Alors l'IGP, c'est un label qui est reconnu au niveau de l'Europe. Donc ça veut dire indication géographique protégée. Et au niveau du riz de Camargue, ça certifie en fait que le riz a été cultivé en Camargue, a été stocké en Camargue et transformé en Camargue. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. On a une traçabilité qui permet de garantir ça. Et ensuite, il a été cultivé, stocké, conditionné selon un cahier des charges précis de l'IGP. Alors justement, dans ce cahier des charges précis, il y a des critères agri-environnementaux, par exemple ? Oui, bien sûr. Donc déjà, le riz IGP, riz Camargue, est un riz qui va permettre d'apporter de l'eau douce au sein de la Camargue. Il y a également des conditions en fait d'infrastructures de parcelles qui permettent de faire en sorte que chaque parcelle va bénéficier d'une entrée d'eau. Voilà, il y a des choses bien sûr au niveau de la conduite de culture. On va avoir la garantie que ça suit les normes françaises. Et ce qui est très important, et très important pour la filière, ce qui est beaucoup demandé, c'est une traçabilité avec des contrôles en cours de culture, mais aussi ensuite, une fois que le riz est récolté, au sein des organismes stockeurs et des riziers, on aura la traçabilité de ce riz pour garantir qu'il y a une production camarguaise et une transformation camarguaise de ce riz. Et il y a beaucoup de contrôles ? Oui, je vous dis, c'est à différents niveaux. Alors chaque année, tous les riziculteurs, par exemple, les riziculteurs vont faire leur déclaration de plan de production à différents échelons. Ils vont d'abord s'engager dans l'IGP chaque année. Ensuite, ils vont déclarer leur surface de riz semé avec notamment une liste de variétés IGP. Ensuite, ils vont déclarer la conduite des cultures qu'ils ont utilisées, notamment s'ils ont mis des engrais, s'ils ont fait un travail du sol particulier, etc. Et enfin, ils vont déclarer ce qu'ils ont produit à la suite de la récolte et à qui ils ont livré ce riz. Et alors aujourd'hui, est-ce que la filière Riz de Camargue accueille des jeunes producteurs ? Est-ce que c'est une filière qui recrute de nouveaux bras, de nouveaux talents ? Alors c'est une filière qui est petite mais très diversifiée. Donc les riziculteurs, déjà il y a beaucoup de riziculteurs qui sont en fait riziculteurs de père en fils. Ça c'est très prégnant en Camargue. Et effectivement, l'enjeu pour la filière est aussi de faire la transition entre les riziculteurs les plus expérimentés et finalement leurs enfants qui reprennent le flambeau. Et une dernière question, Arnaud. On voit le riz aujourd'hui vendu dans les grandes surfaces ou ailleurs avec l'IGP Riz de Camargue. Est-ce que vous êtes dans des logiques de recherche pour demain nous faire un riz de Camargue encore plus pratique à utiliser, encore plus tendance, encore plus simple pour les ménages? Est-ce que c'est un produit qui va évoluer, qui va se moderniser? Bien sûr, déjà, c'est un produit donc qui est garanti au niveau de la traçabilité par l'IGP. Il y a également aussi à peu près un quart de la production camarguaise qui est d'origine conduite en agriculture biologique. Donc tout d'abord, ça c'est des signes de qualité importants. Ensuite, on a une diversité aussi de riz produits, même si on est une petite filière. Et actuellement, ce qu'on cherche à faire, c'est diversifier ce qu'on propose aux consommateurs.
Et notamment, vous parlez de temps de cuisson. Il y a, par exemple, des acteurs de la filière qui vont rechercher un riz qui cuit naturellement moins de 10 minutes, par exemple. Nous avons aussi, ce qui est très connu en Camargue, des riz qui sont naturellement colorés. Je sais pas, j'ai un paquet à côté de moi, je peux pas. Montrez-moi. Si... Voilà, du riz rouge, par exemple. Alors là, il a quelle couleur, ce riz ? Donc, il est plutôt rouge, un peu foncé, en tirant vers le ambré. Et c'est vrai que ça, c'est une variété qu'on va trouver, la variété Tam Tam, on va la trouver uniquement en Camargue, avec une traçabilité qui permet de garantir que le consommateur va consommer du Tam Tam. Donc on voit la filière est en plein changement, en pleine modernisation, tout ça évolue. Le dernier conseil, Arnaud, qu'on peut donner, c'est le riz tel que. Vous le consommez comment ? Justement, ça dépend des envies, j'ai envie de dire. Assez nature, finalement, avec le poisson, par exemple. On peut aussi faire des plats en sauce. Moi, j'aime bien un petit curry avec du riz de Camargue. Et voilà. Et puis, par exemple, le riz rouge est parfait pour accompagner du poisson. Donc voilà. Il y a des dizaines et des dizaines de façons de préparer le riz. Et ce qui est bien, c'est la diversité finalement de façons dont on peut le préparer. Et puis, mais moi, j'aime bien avec du poisson en nature. Oui, et avec un petit curry de poulet, par exemple. Et puis, bien évidemment, la recette que l'on peut recommander à tous nos amis, c'est une recette ancestrale en Camargue, c'est bien évidemment la gardiane, pour peu qu'on ait quand même quelques heures devant soi pour faire la cuisine. Et ne pas oublier que dans la gardiane, on ne met que du riz de Camargue. Arnaud Ballard, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt en Camargue pour reparler de cette filière riz. Une filière, vous le voyez, très en phase avec les questions de consommation, mais également et surtout avec les questions environnementales. À bientôt.